Laisse aller délicatement dans ce magnifique univers. C'est une des propositions les plus, je pense, les plus ambitieuses, les plus audacieuses de tout ce que j'ai pu constater, tout ce que j'ai pu voir sur Piano Book. Au départ, par la qualité d'échantillon, mais la qualité aussi de présentation, c'est vraiment spectaculaire. Vous avez ici en format des S, des Sound Sampler, donc pour Mac et PC, une manière repensée d'un vieil instrument qui s'appelle un Casio CZX, pardon, qui était à l'époque des premiers balbutiements de la synthèse FM, des claviers qu'on souhaitait aborder pour effectivement augmenter ou voire bonifier la palette instrumentale qu'on avait déjà. Et Yamaha était présent, plusieurs... En tout cas, je n'ai pas tous les noms de... Mais vous savez, en tout cas, dans cette période, dans cette époque, et celui-ci a été donc un peu passé inaperçu parce que Casio n'avait pas toujours la bonne réputation d'avoir des instruments de haute qualité et conformes. Mais effectivement, on pouvait avoir sous les doigts un piano qui représentait un peu ces univers de son... à modifier avec différentes banques, différents presets, etc. Et le compositeur... qui travaille sous le nom de Albert 2000, nous amène ici une présentation vraiment spectaculaire dans son format visuel, qui est vraiment charmant. C'est vraiment une réplique extraordinaire. Et vous voyez ici, tous les éléments qui sont à l'intérieur de ça sont effectivement une belle réplique de ce qui pouvait être sur le clavier d'époque, mais aussi très, très, très fonctionnel, évidemment. Alors, si je reviens ici, on a une banque de A, B, C, D, E, F, donc 6 catégories qui sont regroupées ici. Donc, simplement en cliquant sur le petit onglet, on vient chercher. Moi, j'étais, je pense, je vais aller vous montrer, j'étais dans la banque F, j'étais allé chercher Human Voice, qu'on le voit ici, F9. Donc, dans la banque F, le son 9. Donc, il donnait vraiment ce timbre vraiment charmant. On l'appelait Human Voice parce que peut-être ça rappelait un peu ce timbre humain à cause du petit A ou du O qu'on avait là-dedans. Mais effectivement, il faut se ramener à l'époque, là, c'était vraiment les balbutiements de ce qui a créé la route avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui est fascinant dans tout ça. Donc, quand je viens chercher sous l'onglet ici, Banque A, je vais aller voir, je vais aller chercher un instrument, tiens, qui s'appelle les strings, les cordes. Donc, si je veux modifier les éléments, c'est-à-dire l'enveloppe, l'attaque, decay, sustain and release, je vais pousser la release jusqu'à 10 secondes. C'est quand même présent. Donc, il représente un peu cette première couleur, on essaie de travailler sur l'interprétation de l'écoute des cordes d'une certaine façon. Mais donc ici, on a string, on a quatre éléments de cordes. On a l'ensemble, MOD ensemble, ensemble sweep. Je vais essayer celui-là, tiens. Quand
quand je vous parlais des trouvailles. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je suis uniquement dans la banque A. Je vais aller chercher, faire un petit tour dans la banque B. On retrouve ici Electric Organ, DX Organ, Theater Organ, Jazz Organ, j'imagine, avec quelque chose d'un peu percussif. À la B3, peut-être. On a un petit peu ce côté, effectivement, percussif qui était si caractéristique de la Hammond B3. Banque C, je vais aller voir. Ici, on a les guitares, lead, upright bass, synth bass, moog bass, talk bass. Qui donne un peu cette impression-là, avec le A. Donc, ici, je vous ai parlé de l'enveloppe. On a ici le reverb dessous, avec le niveau, et après ça, le format d'écoute. On retrouve à la droite, avec le delay, pour avoir un niveau. Ici, un temps de réponse. Voilà, on l'entend bien. C'est des heures et des heures de plaisir. Simplement en négociant ces éléments qui sont le niveau d'écoute du délai, son temps de réponse et le feedback, c'est-à-dire la façon dont il va se répéter, soit presque sans fin, comme j'avais appris ici. Donc, simplement en négociant certains éléments, comme ça, on arrive à créer vraiment des timbres fort intéressants. Je vais aller dans la banque E avant de vous amener sur son site. Donc, effectivement, ici, on retrouve les claviers. Piano 1, piano 2, electric piano. Ça, c'est vraiment l'univers du DX7. Très belle représentation. C'est un travail qui est colossal. Ça a l'air de rien comme ça quand on est à jouer, à utiliser un instrument de cette nature, mais d'avoir pris le temps d'échantillonner tout ça en plusieurs touches pour avoir des différents types de dynamiques, etc., différents types de timbres, et la qualité d'échantillon est vraiment remarquable. Je vous invite rapidement sur son site Albert 2000. Voilà comment on retrouve ici avec cette drôle de représentation avec le visage ici. Son histoire, effectivement, il indique en 1985. Donc, il a acheté ce Casio CX. C'est-à-dire le numéro du Casio, là, c'est le Casio CZ dans la série. Et qui permettait donc d'explorer un peu ce genre de choses. Et il a travaillé donc avec cet instrument pendant un certain temps. Et avant de le mettre au rencard, il s'est dit, ben, tu sais quoi, je vais en profiter, je vais l'échantillonner. C'est vraiment un travail remarquable. Si vous avez le temps d'aller sur son site, il a préparé une démo ici qui est vraiment savoureuse. Parce que c'est un bon pianiste, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le clavier. On dit souvent, une image vaut mille mots. C'est vrai qu'une image peut parfois parler d'elle-même. On reprend l'exemple en musique quand on l'applique avec une performance. Il donne vraiment une interprétation de son univers, de son clavier, de sa réalisation qui est vraiment remarquable. Et avec beaucoup de clins d'œil à la musique classique, on entend, je pense, de mémoire un peu de Tchaïkovski, mais on entend surtout George Gershwin avec des extraits de mélodies célèbres du compositeur américain. Donc c'est savoureux, il joue très bien, c'est vraiment agréable à l'écoute. Et effectivement, ça nous donne l'ampleur de l'instrument quand c'est abordé par quelqu'un qui a vraiment une technique de pianiste et qui peut permettre effectivement plusieurs envolées pour donner vraiment une belle dynamique de ce à quoi ressemble cet instrument. C'était donc une belle découverte que j'ai eue sur Piano Bas, comme toujours.
Et je vous invite à faire un tour, faire un saut. J'amène surtout dans la présentation des vignettes des éléments qui sont peut-être un peu hors des grands sentiers parfois, mais qui amènent l'audace, qui amènent la curiosité, qui amènent évidemment la qualité. Et c'est à vous, c'est à nous maintenant, une fois que c'est rendu sous nos doigts, donc dans l'appareil informatique, bien, comment effectivement on travaille à ça pour en faire quelque chose enfin, un discours musical. Ce format DS, c'est Descent Sampler, qui a été donc créé, c'est un lecteur qui a été créé par David Elowitz, qui permet de lire une bonne quantité, parce que la dernière fois que je suis allé sur le site Piano Book, je pense qu'on était à 1300 propositions en format autant DS que Contact. La volonté du format DS est donc d'avoir une gratuité à 100%, tandis qu'on verra que dans certains instruments virtuels Contact, sous Contact, il faut la version complète de Contact. Donc ça, j'imagine que les créateurs n'ont pas de contrôle là-dessus. Tandis qu'en format DS, ben ici, vraiment, tout est gratuit et on travaille à la conversion de certains instruments en format Contact vers le format DS, Descent Sampler. Celui-ci est tout aussi séduisant. Quand je vous parlais de la possibilité, ou peut-être un peu moins avec celui-là, mais quand le plaisir qu'on a des fois d'associer à certains éléments qu'on retrouve sur la fenêtre d'accueil, donc des contrôleurs MIDI externes, effectivement, tout peut se jumeler à un contrôleur externe. Et c'est avec Descent Sampler, c'est simplement en allant dans File ici. Et vous voyez ici MIDI Learn. Donc, effectivement, pour avoir un contrôle associé directement, par exemple, avec ce bouton, si je vais avec MIDI Learn, et voici, je joue simplement, oups, avec mon petit. Ben tiens, j'avais celui-ci, le reverb qui était déjà configuré. Donc, voilà pour les autres. Je pense que j'avais simplement fait celui-là à guise d'introduction. Tiens, voilà. Donc, ça permet d'avoir une attitude un peu plus musicale quand on est avec un outil externe, MIDI, qui nous permet de contrôler la plupart de ces paramètres. Donc, c'est une très, 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 très belle découverte. Je salue l'audace, le courage et l'effort qu'a eu le compositeur Albert 2000 de nous présenter sa vision. Qui je dirais, va dépasser le temps, va vraiment être de toutes les époques, avec son PD Big Brother, donc le CX-X, qui est une réplique du Casio, qui est vraiment très, très habile. Bravo, c'est une belle proposition, et vous aurez plaisir à le découvrir. Allez aussi écouter, je vous avais dit tantôt, allez écouter sa démo, est vraiment savoureuse. D'ici là, ben, j'espère que cette capsule vous a aidé à en savoir un peu plus sur la musique, les éléments qui correspondent à la création musicale par support informatique. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bonne inspiration. À bientôt.